Eh bien, bonjour à tous, Alex Benito, bienvenue en saison 2 avec Cadiz, merci de suivre cette série Football Manager 2021. Petit rappel du dernier classement car il aura son importance. Euh, Rappelez-vous que le Real a été champion juste devant Valence et Bilbao qui seront en Ligue des Champions tout comme l'Atlético Madrid, l'Europa League pour le Barça et euh, le Bétis. Villarreal termine 7 septième, on est honorable, on est dixième. Euh, voilà pour euh, la saison dernière. La prochaine saison à venir, elle présente euh, comme ceci. On n'est pas annoncé dernier, mais 18e, donc ils se disent peut-être que cette dixième place, c'était un coup de chance. Saragosse, Priron et Leganes qui sont promus. On nous annonce le Real encore champion, mais on sait que ça peut, ça peut changer vu la saison de Valence et euh, de Bilbao. On va faire une vidéo où je vais me focaliser sur le mercato, mes propres transferts, pourquoi, comment utiliser les joueurs, etc. Le mercato des autres équipes, comme ça on sait euh, équipe par équipe qui a fait quoi et où on en est dans cette carrière, comme ça on n'est pas trop trop perdu, on ne va pas se dire, ah ben tiens, euh, tel joueur il joue là, ou tel joueur il joue là. Euh, et on va aller voir le changement de coach aussi, euh, parce que je sais que Koeman a été viré, donc est-ce que euh, on aura un petit peu plus de concurrence, est-ce qu'on aura des équipes qui vont changer de style de jeu Quitte à faire qu'un seul match dans cette vidéo, ce n'est pas très grave. L'important, ça va être de faire un bilan de l'effectif, de la modification que j'ai envie de faire et du changement par rapport à la saison dernière. Même si vous allez le voir dans les grandes lignes, on va utiliser quasiment la même structure que l'année dernière avec des joueurs qui ont fait leur preuve, donc qui n'ont aucune raison de partir. On va garder cette logique, même si on peut trouver mieux et qu'on pense qu'en termes de stats, en termes de joueurs FM, c'est mieux. En termes de coach, c'est les résultats sur le terrain qui comptent. Donc je vais prendre ça en compte aussi. Mon mercato, il va commencer direct. Euh, pour l'instant, j'ai tout, euh, tout ce qui est en cours. Ce sont des prêts. Mais on va voir euh, ce qui est définitif. Rappelez-vous, la saison dernière, on avait validé en fin de contrat l'arrivée de Sergio Gomez. On a une vue globale sur ses capacités libérées par le Borussia Dortmund. Voilà, c'est un joueur, même vous, dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter le mercato, c'est super important. J'ai vu que la dernière fois, il n'y en a pas beaucoup. Euh, vous avez donné beaucoup de résultats sur. Euh, beaucoup de commentaires sur les résultats. Mais sur le Mercato, euh, j'aimerais bien avoir votre avis aussi. Moi j'avoue, je me hype tout seul. Euh, je suis très satisfait de mon Mercato, mais ce serait un petit peu égocentrique. J'ai envie de voir, peut-être que vous pouvez aussi critiquer. N'hésitez pas, hein. Vous êtes les supporters de cette carrière. N'hésitez hein. pas à me dire, bah Sergio Gomez, c'est une grosse boulette. Je pense pas. Mais voilà, euh, grosse vista, euh, grosse technique, potentiel évidemment. Il n'a que 20 ans. Il n'a que 20 ans, zéro sélection, on espère l'amener en sélection. Et pourquoi pas plus haut, Sergio Gomez? J'espère qu'il sera là pour un long moment. En tous les cas, euh, comme certains me l'ont dit. Hein, C'est une arrivée gratuite. Il s'en va. Il s'en va. Claus Liberator, elle a à 18 millions. Il n'a pas voulu plus. J'espère que son deuxième contrat que je lui proposerai, on pourra augmenter cette clause libératoire, parce qu'à 18 millions, je pense que vu les qualités du joueur et ce qu'il va devenir, il va, il va partir très vite à 18 millions. Donc on va essayer d'augmenter ça. Il y a aussi eu Mario Gila. Certains m'ont dit que ouais, les, les, les joueurs de la Castilla ont été totalement abusés, peut-être. Je ne connais pas trop, trop Mario Gila, je l'avoue. Donc je n'ai pas forcément le, le recul pour pouvoir euh, le juger. Je trouve qu'il a d'énormes qualités mentales. Physiquement, c'est très fort. Techniquement, ben voilà, un très bon jeu de tête. Il n'a que 20 ans, les gars. 20 ans, le potentiel quasiment au max. Donc, il a une grosse marge de progression. Ça peut devenir un élément cadre de l'équipe. Mais, comme vous le savez, Kala et Alcala sont intouchables. Voilà, on ira voir un petit point de compo. Euh, ça, il n'arrive pas comme un titulaire. Même si j'avoue, avec des capacités comme ça, on pourrait dire Ouais, on le met titulaire direct. On le met titulaire direct. Non, mais mec, tu sors d'où, en fait Ok, tu as fait 17 matchs à la Castilla. Euh, tu jamais joué en Liga. Tu as un match de Liga euh, avec le Real Madrid, une apparition. Moi, je ne te mets pas titulaire direct. J'attends de voir ce que tu vas donner avant euh, de toucher à Cala et Alcala qui m'ont fait une grosse saison la saison dernière. L'arrivée de José Fontane. Alors, il est un petit peu particulier pour un, euh, pour un latéral gauche, c'est qu'il n'a pas de centre. Et moi, ça m'embête un peu parce que j'aime bien utiliser des latéraux offensifs. Qui ont quand même besoin d'appel de balle, donc ça, c'est Nietzsche, et de centre. Donc c'est un profil un peu différent, c'est un défenseur gauche à l'ancienne en fait. C'est un défenseur euh, 100% défensif, euh, qui a quand même un bon physique, il n'a pas une vitesse extraordinaire, il a une très belle qualité de passe. Alors pourquoi pas le reconvertir en défense centrale, euh, José Fontane Je pense que ça va être le cas. Moi, vu, vu la pointe euh, qu'il a ici. Je pense que ses capacités sont beaucoup plus adaptées à de la défense centrale. Donc voilà, il s'entraîne en défense centrale, euh, pas besoin de faire d'attributs additionnels. Ça sera pas un arrière gauche. Nico Williams, ben, gratuit, euh, c'est toujours bon à prendre. Hein. Il arrive gratuit. Euh, bon, on, on sait qu'il a un gros gros potentiel. On espère euh, qu'il deviendra aussi fort que son frère uh, Iñaki. Je trouve que de base, il a de belles capacités. Il va commencer avec l'équipe B. Il va commencer avec euh, avec l'équipe B, euh, donc il n'y a pas de problème, hein. la primera division euh, du groupe B. Il y a de très très belles équipes. Très très belles équipes. Donc euh, ça fait euh, ça fait plaisir. On espère euh, voilà euh, d'ici quelques années, peut-être qu'il aura les capacités pour, euh, pour venir disputer, pourquoi pas aussi quelques matchs de Copa del Rey, euh, de venir euh, commencer à, à avoir quelques temps de jeu avec les pros. Sergio Arribas, c'est pareil, c'était un, un joueur libéré par la Castilla. Il arrive gratuit, le potentiel annoncé est très très haut, comme tous les jeunes que j'ai choisis. Hein. Je pense que vous vous en doutez. Je vais le prêter. Euh, je vais le prêter au Real Murcia, qui est en Primera Division, euh, groupe 2. RFF euh, groupe 2. Voilà, dans le groupe 1, on a, on a Cadiz. Lui, ils seront, eux, ils seront dans le groupe 2. Alors, ce qu'il faut savoir. C'est que la, la division espagnole se redivise en fait, c'est-à-dire qu'on a la première division où on a nos équipes, on a la deuxième division, voilà, pareil, hein, classique, montée, descente, euh, et ensuite on a la troisième division qui est divisée en deux groupes, puis la quatrième division qui est la segunda B. La segunda B avant c'était la troisième division. En fait, voilà, les barrages de montée se font pour euh, la Primera Division, qui est une nouvelle division qui a été ajoutée, parce que la segunda B il y a trop d'équipes maintenant. Parce qu'avant c'était la Segunda B, il n'y avait que 4 groupes. Maintenant il y a un cinquième groupe dans cette Segunda B. Euh, donc ils ont intercalé un championnat de plus ici. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais, euh, mais notre équipe B euh, a réussi à monter. Hein, donc ça c'est cool. Ça c'est plutôt cool. Et euh, j'ai récupéré aussi, il était vendu à 1000 euros, 1K, 1100 euros. Euh, C'est Pedro Vieira, potentiel intéressant, qualité plutôt pas mal, moi je vous l'ai dit, je suis là aussi pour enrichir mes équipes B, mes équipes jeunes, pour essayer de, de former une école de football. Voilà, euh, on, a aussi, on a les jeunes pousses, mais si on peut récupérer des joueurs comme ça à 1000 euros, franchement, euh, ça ne peut être que de la plus-value. Il a été vendu par Porto, je pense qu'il peut faire une belle saison avec l'équipe B. Ça sera sans doute un titulaire. Il a marqué un but en préparation. Euh, donc voilà, on ne sait jamais. Pour l'avenir, si son potentiel s'est avéré, qu'il monte à 3 étoiles et demie, voire 4, c'est top. C'est top, c'est top. Je ne connais pas trop, donc on verra. À lui de faire ses preuves, comme tous les joueurs que je prends. Euh, voilà, je vous fais confiance. Faites vos preuves avec les jeunes et vous aurez du temps en équipe première. C'est ma politique. Donc ça, c'était pour euh, les validations tout début juillet. Maintenant. Euh, ma recrue la plus chère, peut-être que vous le connaissez, c'est Mathias Palacios. Milieu offensif de 19 ans, Argentin. Euh, vraiment très très correct. Avec un bel avenir devant lui. Vous voyez son potentiel annoncé. Je l'ai recruté à San Lorenzo. Voilà. Euh, c'est une valeur un petit peu élevée. J'avoue que sur le coût actuel, je ne paye que 4 millions plus de l'argent en mensualité. Plus de l'argent, alors je ne sais pas si je peux voir le détail. Voilà dans les clauses. Voilà dans les clauses euh, de Mathias Palacios. et une somme de 5 millions sera due après 50 matchs. Donc sur les 12, hein, ça enlève pas mal. Plus 3 versements à 1 million 33 en 2022, 2023, 2024. Donc au final, la somme est très répartie. Et tant qu'il n'aura pas fait 50 matchs, finalement, il est à moins, mais je ne l'ai pas payé les 5 millions de plus. Donc, ce n'est pas si cher que ça, même si sur, le, sur la durée, ça va coûter un petit peu cher. Euh, je trouve qu'il a d'excellentes qualités. Euh, C'est souvent un peu l'homme de l'ombre de Thiago Almada, qui a quand même de meilleures qualités à son âge, qui a signé à Sassolo dans cette carrière pour 9 millions d'euros. Mathias Palacios, je pense qu'il a un avenir tout aussi beau, avec une belle vista et une très très belle technique. Si vous ne connaissez pas ce joueur, euh, ben on va le découvrir ensemble. Et peut-être que ça vous donnera des idées dans votre mercato à vous aussi. Voilà. J'ai beaucoup euh, confiance en lui pour jouer la doublure et pour peut-être, je l'espère, un jour devenir notre titulaire. Euh, Stefano Turati, peut-être que vous le connaissez également. Regardez-moi ce potentiel libéré. Il était sans club. Il a été libéré par Sassolo. Je le récupère totalement gratuit et ça sera notre gardien pour l'équipe B. Stefano Turati. Gardien de l'équipe B. Euh, et, euh, et pourquoi pas quelques matchs en première aussi pour la Coupe. Et euh, très rapidement, je pense que dès que ça sera bien exprimé, ça sera peut-être notre titulaire. L'arrivée de Christian Rivero. Alors lui, il arrive plus pour être euh, un titulaire. Il arrive quasiment pour être un titulaire. 4 étoiles de potentiel. Là, c'est confirmé. Hein, donc c'est sûr qu'il a 4 étoiles. Il part à 2,5. Donc le niveau actuel est un petit peu faible, je l'avoue. 125 000 euros. Après, voilà, je, je fais aussi mon mercato en fonction du club. Je ne suis pas là pour dépenser des milliards euh, et je fais attention à ça aussi. Je pense qu'un gardien titulaire à 120 000 euros, euh, en vrai, ça va. J'attends de voir. J'attends de voir ce que ça va donner. Euh... Je ne sais pas. C'est ma recrue où j'ai le plus de doutes dessus. En tout cas, voilà, il mérite sa chance. Il a, il a des très bons, très, très bons 15 euh, ici. Euh, le mental, ça, ça mériterait d'être. Euh... Voilà, j'espère qu'il va progresser euh, dans cette saison avec nous. L'arrivée, peut-être que certains l'avaient déjà vu, Arnaud Puigmal. Franchement, au début, ce n'était pas mon idée. Je ne l'ai pas recherché manuellement. Tiens, je vais aller voir lui. Mais en fait, quand j'ai regardé les joueurs gratuits qui étaient libérés, eh bien, il était sans club. Puigmal était comme ça, dans la rue, en train de, de ramasser des pièces. Je t'ai dit, attends, euh, t'as pas de club là Ben non, j'ai pas de club. Bon, ben viens, viens à la maison. Il a 20 ans, pareil, il va jouer avec l'équipe B. Euh, regardez la prépa, la prépa qu'il nous a fait. Euh, vous le voyez ici en bas. Hors compétition, deux apparitions, une fois rentré en cours du jeu, 5 passes décisives, 8,65 de moyenne. Donc là, il n'est pas là pour rigoler. Le potentiel annoncé est très intéressant. Donc si on arrive à bien le faire progresser à l'âge qu'il a... Euh, ben, ça sera soit de l'équipe première, soit de la plus-value, hein, dans tous les cas. Donc voilà, euh, pareil, équipe B, il est là pour apprendre. Là, vous commencez à comprendre que l'équipe B, elle va être assez monstrueuse aussi. L'arrivée, bon, c'est du classique. Kevin Rodriguez, je me lasserai jamais de ce mec. Et là, en plus, où c'est important, c'est que je joue avec des latéraux offensifs et il a le profil typique d'un latéral offensif. Il a des qualités de centre. Techniquement, il est bon, mentalement, il est bon, il a des appels de bas, il a du collectif, il a du volume, physiquement, c'est solide. Il a tout pour plaire, et pourtant, c'est à chaque fois un joueur euh, qui coûte pas cher. 1,2 million, le salaire annoncé à 80 000 euros, c'est correct, c'est quand même pour moi assez cher, parce que c'est un des plus gros salaires de Cadiz, mais euh, c'est incontestablement notre titulaire à gauche. Et l'arrivée, là c'est en fin de... Enfin, c'est pas vraiment en fin de mercato, mais c'était une arrivée peut-être un petit peu moins prévue. C'est Brian Hill qui a été vendu par Séville. Je connais le bonhomme, d'habitude il est inaccessible, euh, vendu à 4,7 millions. Là c'est bradé. C'est bradé pour un potentiel annoncé comme ça. Pareil, il a 20 ans, il a de belles qualités. Allons-y quoi. Allons-y. Voilà ce mercato. J'espère qu'il vous fera plaisir, j'espère qu'il vous hype euh, parmi toutes les recrues. Sergi Gomez, il Fontane. Tout ça, tout ça, j'ai sélectionné. C'est 20 ans maximum. Et ici, à part Kevin Rodriguez, c'est que des jeunes. Que des jeunes, que des jeunes, que des jeunes. Il y a eu des départs. Il y a eu le départ de Marcos Mauro. 30 ans. Il est parti à Amiens pour 900 000 euros. J'ai prêté Federico. Bon, vous avez vu les capacités. Ah <laughs> Philippe Malbazic, 900 000 euros, voilà, euh, moi je le trouvais pas terrible, et je pense que j'ai eu raison. Départ, à Family KO, euh, j'ai prêté David Mayoral, qui appartenait à l'équipe B, mais euh, voilà, Gonzalo prêté, bon, pas terrible. Le départ de Fali, qui rejoint euh, National des Meteoras, je crois, euh, le mieux c'est de voir comme ça, Negredo va rester devant. Perea, vu la saison qu'il nous fait, euh, c'est le titulaire. Même si j'ai Brian Real, euh, même si j'ai euh, de bonnes recrues, c'est normal que ce soit eux qui soient titulaires. Ils ont fait leur preuve la saison dernière, on a eu un très bon classement, je ne peux pas te virer comme ça sans raison. Alex Fernandez, bon, ben, joueur cadre de l'équipe, voilà, à 28 ans, il euh, n'y a aucune raison de ne pas lui faire confiance, même si on, a, on en attend un petit peu plus. Et là, euh, c'est le cas puisque euh, Palacios va rentrer dans la rotation et va le remplacer au cours des matchs et un petit peu plus souvent. Salvi Sanchez est toujours là. Pareil, joueur cadre de l'équipe à 30 ans. Derrière, on a Mateus Fernandez que vous connaissez qui a largement prouvé la première saison. À ses côtés, Sergio Gomez, ça sera un titulaire direct. Ça sera, euh, lui, il arrive pour être titulaire direct à son âge. Derrière à droite, bah, vous avez vu ce qu'il nous a fait euh, Isa, il n'y a aucun problème pour le changer. La défense, Juan Cala avec euh, Pedro Alcala. Et les deux, le, la charnière qui a fait euh, vraiment une excellente saison la saison dernière. Voilà. Pedro <coughs> Kevin Rodriguez sera titulaire à gauche. Ah oui, il est titulaire à gauche parce que euh, je me suis pris la tête avec Espino. Et Espino, je l'ai licencié. Alfonso Espino, je l'ai licencié parce qu'un coup je veux partir. Après, pourquoi je suis en équipe B, pourquoi vous avez pas recruté un autre Uruguayen? Et finalement, ben, je le remets dedans. Mais finalement, il me dit ben, je veux partir. OK, je le vends. Il refuse les offres qu'on lui, qu lui donne. Alors finalement, ben, licencié, voilà, ça a été le premier coup de le premier coup de bambou. Il a été récupéré par Osazuna, ben, voilà, quand on te le souhaite. Voilà pour l'équipe, on a Rivero, mais ça sera mon gardien titulaire, donc là il y a quelques doutes, mais on a eu Ledesma, c'était pas bien mieux. Voilà donc l'équipe qui va pas beaucoup changer dans le 11 de départ. Par contre dans la rotation, on a Fontane qui va venir euh, rentrer en cours de match soit à gauche, soit dans l'axe. On a Palacios qui va apporter euh, sa technique en fin de match et pourquoi pas rentrer dans la rotation lorsque Fernandez sera blessé ou fatigué parce qu'il a été pas mal blessé l'année dernière. Uh, Mathias Arezzo, forcément, qui va venir commencer à grappiller du temps de jeu. Il n'a que 18 ans. Il a que 18 ans. Et à 18 ans, voilà, il a déjà joué en Liga. C'est ça que je voulais faire. Il a découvert la Liga avec Valladolid. Il a déjà marqué 5 buts en Liga. Donc là, ça y est, il commence un petit peu à, à pointer le bout de son nez. Maintenant, il faut découvrir Cadiz. Il faut découvrir notre façon de jouer. Et tu vas rentrer un petit peu et apprendre à côté de Negredo. Mario Rila, bon là c'est de la grosse technique, il va clairement rentrer dans la rotation, euh, sans doute titulaire en Copa del Rey, il va euh, pouvoir, euh, ça sera le, le troisième défenseur derrière Cala et Alcala, euh, s'il y a des blessures, c'est lui qui va prendre la place directe. Pombo qui est toujours là pour faire de la rotation, il a l'avantage d'être assez polyvalent. Brian Hill, 20 ans, qui peut rentrer sur le côté gauche euh, et justement, euh, remplacer Perea, voire petit à petit essayer de gagner sa place, ça, ça va être à la concurrence. Je vais fonctionner la concurrence, tu vas jouer, tu vas rentrer, celui qui fait une bonne entrée, il sera titulaire, et l'autre il va rentrer, et celui qui gagne sa place, ce sera le meilleur sur le terrain, il n'y a pas de doute. A capo, c'est mon remplaçant à droite, le remplaçant d'Isa, on a toujours Johnson qui va venir dans cette rotation ici en box to box pour euh, Matthäus. On a Josemari, que j'ai gardé. Euh, je ne veux absolument pas le vendre. C'est un gros, gros cadre de l'équipe. Donc, il va rentrer un petit peu. Il aura un petit peu son temps de jeu. Euh, Bodiger, j'essaie de le prêter. Mais s'il ne part pas, bah, il est toujours là aussi dans la rotation. Euh, on a Ivan Alejo, qui va pouvoir jouer euh, les entrées sur le côté. Sergio Arribas n'est pas inscrit, puisqu'il va partir en prêt. Je le trouve encore un petit peu juste. Par rapport à Brian Hill à 19 ans, j'aimerais bien qu'il aille s'aguerrir un petit peu en pré avant de rentrer dans notre rotation. Et Anthony Lozano qui rentrera également lorsque j'aurai envie de faire une attaque à deux pointes. Lozano Arezzo, ou Lozano Negredo. Voilà un petit peu. Voilà pour l'équipe. Voilà pour l'équipe première. Euh, je pense que en vrai, c'est pas mal. Ça change pas beaucoup par rapport à la saison dernière. Et, et au niveau de la rotation, on a beaucoup gagné en qualité, je trouve. Au niveau du centre d'apprentissage, ben oui, j'ai rempli, euh, j'ai rempli un petit peu tout ça. Vous voyez que les candidats à l'équipe première, il y a du monde. Il commence à y avoir du monde parce que justement, cette équipe B, j'ai rempli de la qualité avec euh, Tourati notamment en gros potentiel. Si on, on, on s'attarde sur les potentiels, c'est ceux que j'ai ramenés, hein, les plus gros. Il y a Sergio Gonzalez dans cette équipe B aussi qui est pas trop mal. Je pense pas qu'il montera très très haut. Il y a euh, Idrissa Thiam qui est pas mal aussi, mais qui, qui veut quitter le club. Euh, parce que le monsieur m'a demandé pourquoi je ne suis pas en équipe première. J'avais pas envie de répondre, mais bon. Euh, Gaspard euh, Panadero aussi. Alors euh, lui, je sais pas trop encore quoi en faire. Bon, Nico Williams, forcément. Euh, Pedro Vieira pour l'attaque. Et dans les U19, ben, on a de la qualité aussi. On a Sergio Arribas, mais il va être prêté. On a Kensley. Euh, J'espère qu'il va encore euh, nous faire une grosse saison et qu'il va continuer à progresser parce que son prêt s'est pas très très bien passé donc on va le, on va le garder à la, au chaud. Euh, Vasilis Tsemedekis, c'était la jeune pousse qui n'était pas trop trop mal. Dans l'équipe C, on n'a personne par contre. Voilà. voilà, voilà. Mais ça commence à nous faire une belle, euh, une belle équipe. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de profondeur. Voilà. Passons aux autres équipes. Bilbao, qui fait confiance toujours à Gaisca Garitano, une équipe qui a failli être championne d'Espagne et qui jouera la Ligue des Champions, donc il faudra vraiment euh, faire attention à cette équipe. Au niveau du Mercato, c'est rien. C'est pas de départ, pas d'arrivée, au moins ça, c'est dit. Au niveau de l'Atletico, Madrid, qui jouera également la Ligue des Champions, Simeone, est-ce qu'il a fait du Mercato Pareil, pas d'arrivée, pas de départ. Et le mercato n'est pas fini. La grosse surprise, elle est là. Marcelo Bielsa qui prend le Barça et qui succède à Queman. Ça peut être très très fort. Attention à Bielsa au Barça. Euh, il va partir sur un truc très offensif, je pense. Ça, ça peut faire mal. Alors attention, il faudra surveiller cette équipe qui jouera à la Ligue Europa finalement. Euh, parce que j'ai été sur joueur libéré. Euh, mais surtout les transferts, c'est pareil. Il n'y a rien à Bilbao. Par contre, à l'Atlético Madrid, il y a euh, Zinchenko qui est arrivé à l'Atlético Madrid en provenance euh, de City. En prêt. Et euh, Lovro Mayer qui est vraiment pas mal aussi pour l'avenir euh, à l'Atlético Madrid. Il y a eu des départs, notamment celui de Totavio Donc voilà pour, euh, pour l'Atlético Madrid. Côté Barcelone. Au niveau du Mercato, 134 millions de dépensés. L'arrivée du défenseur de Manchester City, John Stones. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Il l'a connu en Angleterre, il le ramène ici. Danilo de la Juve. Et oui, forcément, je ne suis pas sûr qu'il avait besoin d'un arrière-droit à Barcelone, mais il a souhaité ça. Et euh, Stéphane De Vrij, euh, de l'Inter Milan. Donc, euh, ça part sur une énorme défense. Il a vendu Clément Langlais pour 67 millions à United. Trincao prêté. Et Ousmane Dembélé prêté au Paris Saint-Germain. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Hâte de voir ce que ça va donner. Côté celle d'Avigo, c'est Edouard Coudet, le coach. Est-ce qu'il y a eu du mercato euh, Oui, hein, quelques arrivées, notamment celle d'Adria Pedrosa. C'est pas n'importe qui, attention, c'est vrai que j'étais dessus, je vous avoue. Je vous avoue qu'Adria Pedroza, j'avais fait l'offre, je m'étais aligné, vous avez vu la qualité du mec. Pour le prix, j'ai trouvé ça ultra intéressant, mais finalement, il a choisi le Celta Vigo qui lui a proposé un meilleur salaire. Michael Gotti, j'étais dessus aussi, énorme potentiel pour le milieu offensif, libéré par Bilbao, mais il a choisi Vigo. Van Ginkel en gratuit aussi, c'est pas mal. Ils ont euh, le prix de Fernando de Séville. Euh, Kennedy. Donc euh, Vigo qui se renforce assez bien. Attention, c'est des concurrents directs, ça. Mandy Libar, toujours à Ibar. Il a fait un mercato intéressant, si je dis pas de bêtises. Andrés Prieto, euh, le gardien. Je sais pas si ça sera un titulaire. Par contre, Fernando Yorente, gratuit. Attention. On sait que dans ce genre de championnat, ça sera la concurrence avec Negredo. Everton, euh, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Et fait des vico en gratuit. C'est quand même très correct pour Ebar. Au niveau de Rétafe, c'est toujours Kiki Sanchez Flores, le coach qui a recruté Carlos Junior. C'est pas mal. Hein Rapport qualité-prix, en vrai, c'est pas mal pour, euh, pour Retafe. 1,7 million. 1,7 million pour Carlos Junior, ils ont pris aussi Fabio Cardoso, le défenseur portugais, il est pas mal, hein c'est très complet. Josema Sanchez aussi, franchement il y a une belle charnière là, s'il si met les deux titulaires, ça peut être pas mal. Et Ivy, euh, Ivy Lopez, pas plus d'infos sur lui. Côté Granada, avec Diego Martinez, on a Djibril Sidibé. Qui arrive au club, ça peut être pas mal en vrai. Ça peut être pas mal pour Granada. Rodrigo Pignon aussi à l'attaque, c'est hyper technique. Hein. Attention, attention à ce mec. Euh, Chema de Retafé, défenseur et euh, Bachi de Chavez. Là, je sais pas si ça sera un titulaire. Côté Leganes avec José Luis Marti, on a une seule arrivée c'est Pepe Alvarez, c'est une jeune pousse. Donc voilà, pas beaucoup de mouvements côté euh, les Ganes. En vrai, je ne les... Je les vois pas se maintenir cette saison avec, euh, par rapport aux autres clubs qui ont bien bien renforcé. Côté Levante avec Abelardo, pas d'arrivée et le départ de Sergio Leone à euh, Lugo. Côté euh, Osasuna, on a vu qu'il y avait des arrivées, notamment celle de Heitor. Ruibal Panda Fuentes, ouais, Alfonso Espino, bon hein, ancien joueur, et Kevin Gamero gratuit. En vrai, c'est pas mal pour Osasuna d'avoir Kevin Gamero. Ça va bien le relancer parce qu'il était plus titulaire à Valence. Ouais, pas mal. Côté Manuel Pellegrini au Betis, est-ce que l'équipe a été renforcée? Antonio Moyano qui arrive pour une très très faible somme. Je pense que ça va rentrer dans la rotation. Voir, euh, ouais, Bétis Deportivo, c'est l'équipe B. Ça, c'est pour l'équipe B. Lucas Olazza. Et ouais, j'étais sur le coup, mais il a choisi le Bétis. Pareil, quand j'étais à la recherche d'un arrière-gauche, c'est pour ça que je, finalement j'ai recruté Kevin Rodriguez, parce que Olazza a choisi le Bétis aussi. 2,6 millions. Hein. 2,6 millions pour Olazza, les gars. Dans vos carrières, euh, foncez sur ce mec. Hein, il est monstrueux. Hein. Valerio Vere, l'Italien. Prêté par la Sampdoria, et Entrel Romero de San Lorenzo, peut-être euh, l'ancien voilà, coéquipier de notre, de notre 10. Il est pas mal lui aussi, hein, Entrel Romero. Très très belle recrue, je pense que c'est totalement euh, dans l'identité d'une liga. Hein, ça. Au Real Madrid, avec Zidane. Je crois qu'il ne s'est rien passé. Aucune arrivée. Aucune arrivée. Et le départ d'Audrio Zola à Chelsea, c'est tout. Pas d'arrivée côté euh, côté Real Madrid. Ah à la Sociedad. Qu'est-ce qui se passe à la Sociedad L'arrivée de Caio Jorge. Caio Jorge à la Sociedad. D'un côté à réseau, de l'autre Caio george Franchement, c'est hyper intéressant de voir le mercato des autres équipes parce que là on se dit on est déjà dans la tête en train d'imaginer des rivalités. Est-ce que Caio Jorge va directement être titulaire et prétendre à être meilleur buteur du championnat Surtout qu'il y a la Sociedad, donc c'est cool, tu vois. Il n'a pas signé au Real ou au Barça ou à la Tetico. Euh, ça va amener une concurrence en plus à ces grandes équipes qui ont déjà bien été euh, tapées par Bilbao et par Valence. Et Lingard en prêt. Ben, le départ de Kevin Rodriguez seulement, donc c'est bien. Ils arrivent à conserver, euh, conserver Porto, Merino, Oyarzaba, euh, Yann rosset David Silva. Et il viennent de rajouter caio Georges en plus, donc c'est vraiment cool. David Gallego, Arjijon, ils sont montés avec, euh, ben vous le connaissez, hein, le Pelayo Morira. Et ils ont recruté Shane Duffy, Pasquale Chaterella. Bon, oh, il est pas mal. Il est pas mal, ils ont besoin de, de ce vétéran pour euh, tenter le maintien. Et Martin Caceres de, euh, de la Fiorentina, l'ancien du FC Séville, hein, forcément. Martin Caceres, grosse carrière. Il y a joué au Barça aussi. Hein. Euh, Eusebio à Valladolid. On voit qu'il y a quand même une équipe de base qui est intéressante. Est-ce qu'il a renforcé avec Eldar Civic Qui est assez complet en vrai. Pour un arrière-gauche, c'est correct. Ça peut faire le taf. Et Nolito gratuit. Nolito, ça, toujours très très bon. Il a un petit souci physique, mais techniquement, ça peut bien aider pour, pour une équipe comme Valladolid. Le Real Saragosse, qui a recruté William Peña, gratuit, mais ça ne sera pas du tout titulé Issa Marega, anciennement Châteauroux, et euh, Jacobo Ramos, là on, on voit forcément que c'est des équipes promues qui vont avoir du mal à se maintenir. Séville de Robert Moreno, et ouais, l'OPTG, il a sauté forcément, hein. Séville, c'est zéro compète européenne, ils ont fait une saison catastrophique. L'arrivée de Kurzawa, bon, je suis pas sûr que ça va beaucoup les aider. Euh, ils ont vendu Rekic, Idrissi a été prêté à Marseille. Diego, euh, non, j'ai peur. Ouais, Diego Carlos est parti 23 millions à l'Inter. Fernando Celta Vigo, donc ouais ouais ouais, c'est dommage. Hein. Euh, pas en couille. Hein. À Valence, Ravi Gracia, qui a fait un mercato très intéressant avec notamment l'arrivée de Josip Ilisic. Ouais, Valence, euh, ça joue la Ligue des Champions, ça a failli remporter la Liga, euh, 8 millions, c'est très fort, c'est très très fort Ilicic, Badou NDI, je suis pas sûr que ça sera un titulaire, à voir, euh, payé quand même 11 millions, il hein. euh, y a Ravi Martinez qui arrive aussi en gratuit, pour l'expérience, Costas Manolas sans prêt, donc euh, ouais, c'est pas n'importe quoi, transfert définitif euh, ensuite obligation d'achat, ouais. Et Paysa, je ne connais pas trop. Ils ont quand même perdu Gabriel Paulista dans l'histoire. Euh, Li a été prêté. Euh, Villarreal avec une IMRI, euh, ben, ils ont une équipe de base assez jeune qui, va, qui évolue, donc il n'y a pas besoin d'énormément recruter. Ils ont pris David Cuenca euh, du Real Madrid, c'est pas, pas fou, c'est pas ultra fou. Euh, ils ont perdu Pedraza qui est parti à Rennes. Ah, ils ont, ont Rolleré Cuenca hein, pour l'avenir. Euh, donc voilà, belle, belle équipe. Mais ils ont surtout perdu Samuel Chukwieds, qui est parti au Paris Saint-Germain pour une somme hallucinante de 40 millions d'euros. Et on a fait le tour, on a fait le tour dans cette euh, Liga. Voilà la, les prévisions. Les prévisions à venir, on est, euh, on est là. Euh, en vrai, ça va être compliqué. Il y a de belles équipes qui ont envie de se battre euh, cette saison. Notre calendrier maintenant, on a perdu contre la réserve. Euh, but de Quintana et Rini Negredo pour nous. On a fait 0-0 contre le FC Eindhoven. On a fait une tournée aux Pays-Bas qui ne s'est pas ultra bien passée puisqu'on a perdu aussi contre Ex, -Ex But d'Ivan Alejo. On a battu Leganés grâce à Iza et Pedro Alcala. On a battu la Palma, Pombo, le doublé, Javi Navarro et Nico Williams, qui a participé à la prépa. Il a marqué. On a battu Marbella, Kassakaye Quintana. Et euh, la petite satisfaction, c'est le match nul contre l'Inter Milan, Mathias Fernandez. Et on va débuter la Liga par Bilbao. Donc, euh, une équipe euh, assez bonne. Très très bonne, puisqu'on sera chez eux. Euh, comme je vous l'ai annoncé, on va partir avec euh, cette équipe-là. Très très peu de changements par rapport à la saison dernière. On a un banc qui, par contre, a de la grinta. C'est des gamins. C'est des jeunes qui ont envie. On va les voir dans ce match-là. Et on a beaucoup d'attentes sur ces recrues. Ryan Hill qui va prendre le 22. Kevin Rodriguez. Allez, c'est parti, les gars. C'est parti, les gars. Est-ce qu'on va garder cette dynamique de très très bon? Résultat. L'équipe annoncée, Azière, Villa Libre, devant Cordoba, Raúl Garcia, Berenguer, Vesga, Dani Garcia, Yuri, Yuna Nunez, Ander Capa. Elle est belle l équipe. et voilà pour nous. À part Sergi Gomez, Rivero et Kevin Rodriguez, on a trois changements dans notre équipe type. Mais sur le banc, j'espère que dans, dans ce match, on, je pense qu'on verra, euh, verra Brian Hill au moins. Ah, c'est parti. C'est parti pour la deuxième saison de la Liga. Alcala avec euh, Salvi. Sergio Gomez. Mathias Fernandez Gomez. Il essaye une ouverture. Premier ballon perdu. Attention, la contre-attaque avec Azerville a libré. Le gardien qui sort. pas, 27 secondes. Et la Liga est entamée par Bilbao. C'est une énorme équipe. Hein. Bilbao, si ça joue comme l'année dernière, ça, ça peut encore finir champion. Enfin, ça, peut tendre, ça peut prétendre aussi il la a, il a Et le gardien. J'ai encore du temps pour le Mercato, peut-être pour avoir un gardien. Mais l'histoire c'est que... Euh, je vous raconterai à la fin du match. Allez, pourquoi passer au corner Peria qui va chercher des grenouilles Le coup de tête sur la barre On joue pas bien là. On joue pas assez bien, on joue pas assez bien. Je pense qu'il va falloir se libérer un petit peu. On est remonté en x goal, donc ça veut dire qu'on a les occasions. Hein. On va repasser en équilibré. Quelques quelques modifications tactiques. Attention à ça, attention à ça, le deuxième. Il y a peut-être hors-jeu. Il y a peut-être une position de hors-jeu. Et j'espérerai parce que si on peut aller chercher l'égalisation, ça serait toujours ça de prix. Pour l'instant, c'est Alex Fernandez qui passe totalement à côté de son match. 6.2, mec. 6.2, tu sors. L'entrée de Mathias. Palacios, c'est sa grande première. Ce sera le premier changement. Allez, les gars, allez, les gars, allez, les gars. Beringue! Allez, la touche d'Isa. Pour Palacios, justement. Palacios taclé. Palacios avec Salvi. Salvi Verné Gredo! Oh là 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 là! Ça va être récupéré par Alcala. Allez, dernier changement. On est sur un pressing très haut, hein, de toute façon. Euh, mais on passe. On passe à un offensif sur les côtés. J'ai vu que ça, dans la largeur, ça, ça avait l'air de passer à peu près. Avec deux entrées à la 70e. C'est Brian! Ryan Hill et Mathias Arezzo devant. Allez, 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 allez putain. C'est pas vrai, ils ont verrouillé ou quoi Allez, allez, maintenant, là, Gomez, dans la boîte. C'est récupéré par Isa. Kala. Ouais, ouais, on va chercher Brian. La contre-attaque va faire mal avec Azir Villa Libré. Alcala qui va récupérer Mathias Fernandez. Il a mal, mais il résiste. On va chercher Brian Hill. Brian le sort vers un réseau. Oh, je crois que c'est Yunai Nunez. C'est Nunez. C'est le CSC. CSC de Yunai Sur ce centre en puissance. Qui essaye de tacler parce que sinon en réseau il la mettait. Un partout face à Bilbao. Ici, Hassan Mames. Oh non, c'est pas fini. il Bien joué, à Rivero. Faut qu'il prenne la confiance, Rivero. Hein. Il n'avait il jamais joué en Liga. Il ah, n'y a, a rien, hein. Allez, Isa, allez Isa. Kala qui va dégager. Ouais, mais. Euh... Ah, ils sont bien sortis. Il reste, euh, allez. Il reste 30 secondes. C'est Cala qui va récupérer. On sait qu'il a une capacité de relance. Rivero. Prends pas de, pas de risque. Sergio Gomez, Matheus Fernandez. Il reste 30 secondes. Gomez. Allez, allez. Lopez. Ouais, c'est récupéré par Gomez. Très joli retour. On va chercher Arez. Oh. La réseau qui a fait une petite faute. Ouais, ça va être fini là-dessus, je pense. Et je vois qu'il y a déjà des surprises dans les résultats. Kala, un très solide. Ryan Reed, attention. Peut-être la dernière. Peut-être la dernière si on va les centrer. C'est fini. Match nul. Ça va en vrai. C'est bien. On s'en sort pas mal, Alcala. Et Kala, je suis satisfait. Bon match. Franchement, c'est déjà très bien de, de ne pas perdre. À Bilbao, hein, parce que Bilbao c'est une grosse forteresse. Et vu euh, ce qu'ils ont donné la saison dernière, euh, c'est qu'on est content de ce résultat. Il y en a eu d'autres, puisque l'Atlético et le Real se neutralisent. Eibar, grâce à un doublé de Fernando Llorente, a battu Rijon. La victoire de Retafe sur, euh, sur Osasuna. Le Barça et Granada, tenu en échec. Levante qui bat le Bétis. La Sociedad. Qui s'impose 3-0. Valladolid qui bat le Celta. Ça, c'est une surprise. La victoire de Villarreal et la victoire de Valence sur un doublé de Ilisic Mathias Fernandez, c'est pas très grave. Les débuts d'Arezzo, tout comme Sergio Gomez, Kevin Rodriguez, Brian Reed, Mathias Palacios et Cristian Rivero ont fait leur début. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite, puisque dans le calendrier, euh, il y a Granada, Bétis, mais moi, je vais surtout vous montrer. Un match face à l'Atletico Madrid, vu ce qui s'est passé la première saison. On va rejouer l'Atletico. J'espère qu'on sera encore leur bête noire. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le mercato, sur les joueurs, sur la façon de gérer l'équipe et sur cette équipe, sur les résultats. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.